Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Josiane et je suis bénévole à La Chapelle. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui et si c'est la première fois que tu nous regardes, je te souhaite un bienvenue particulier. C'est toujours le fun de savoir qu'on a des nouveaux parmi nous. Et que tu sois habitué ou non, je t'invite à nous dire d'où tu viens dans les commentaires et c'est encore un bon moment pour inviter d'autres personnes à joindre à nous ce matin. Voici comment va se passer la réunion. On va avoir des moments de louange avec le band de La Chapelle et par la suite un message d'un invité qui nous visite pour la toute première fois, le pasteur Jasmin Pierre de l'église Axe 21 à Sherbrooke. Mais avant, j'ai quelques annonces pour toi. Avec le retour de nos réunions en personne, nous avons un grand besoin de bénévoles dans plusieurs départements. On est à la recherche de photographes, d'éclairagistes, de responsables de plateau et d'aide à la projection, à la sécurité et encore plus. Si tu t'étais impliqué par le passé ou si tu veux nous donner un coup de main aujourd'hui, tu n'as qu'à aller sur lachapelle.me dans la section « S'impliquer » et à remplir le formulaire. L'Église, c'est nous et merci de nous aider avec tes talents. Tous les premiers dimanches du mois, nous prenons la communion dans nos afters qui ont lieu tout de suite après la réunion. T'es donc invité aujourd'hui même à te joindre en ligne à ta chapelle pour prendre part à ce rappel de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Tu trouveras les liens pour y participer sur notre site web sous l'onglet « After ». C'est maintenant le temps de poursuivre notre road trip et cette fois-ci avec le pasteur Jasmin Pierre de l'église Axe 21 à Sherbrooke. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Mais juste avant, on s'unit en louange avec le band de la chapelle. Qui a vaincu la mort, digne est l'agneau
Hey, bonjour La Chapelle, je suis tellement heureux d'être ici. Je suis parti de Sherbrooke, de Acts 21 pour m'en venir à La Chapelle. Puis c'est un honneur pour moi d'être ici et sachez-le que Acts 21 vous dit un grand salut. Et nous sommes présentement dans une thématique qui s'appelle « road trip ». Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi quand j'entends le mot « road trip », on dirait que ça me fait penser au mot « liberté », « joie », « bonheur ». Aventure. Et je crois que c'est pourquoi on voit autant de road trips dans des publicités. On regarde à la TV ou sur les réseaux sociaux, puis peu importe le produit qu'ils veulent vendre, une brosse à cheveux, une voiture, un téléphone cellulaire, du fort à joues, peu importe, on dirait qu'il y a tout le temps une publicité de quelqu'un dans une voiture, les cheveux au vent. Le road trip, ça vend. C'est vraiment comme ça, ça nous part dans un imaginaire. Et en fait, je peux pas me vanter dernièrement d'avoir fait beaucoup de road trip, là, surtout la pandémie. Fait que j'ai plus vécu mes road trip au travers des road trip de mon gars d'Amazon qui venait livrer des choses chez nous dans ma cour. Je sais pas si comme moi durant la pandémie t'as abusé d'Amazon, mais moi j'ai vraiment abusé d'Amazon. Puis j'ai surtout abusé d'acheter des livres. J'ai acheté des livres à côté et ça a l'air que c'est un problème un peu de pasteur là, qu'on achète toujours des livres, mais j'aimais ça lire, j'ai acheté des livres. Et lorsque je regardais sur Amazon la plupart des livres, puis en tout cas, j'ai été surpris à quel point Amazon me recommandait des livres sur la croissance personnelle, sur le développement personnel. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais essayer une recherche. J'ai tapé le mot « bonheur » dans la recherche Amazon et plus de 60 000 livres s'offraient à moi avec des titres genre les 8 clés pour atteindre le bonheur. Ou peut-être le vrai bonheur se trouve en toi. Ou l'art de vivre le vrai bonheur. Ou comment vivre heureux et épanoui. Ou d'autres comme choisis ta vie. Et dans toutes mes recherches, c'est quand même drôle, jamais la Bible m'a été offerte. Jamais la Bible arrivait dans les suggestions. Et quelques temps après, j'ai compris pourquoi. Alors que 60 000 livres tentent de m'offrir les clés de l'art de vivre, la Bible m'enseigne plutôt l'art de mourir. L'art de mourir. Et aujourd'hui, c'est le titre de mon message, l'art de mourir. Et on va tourner ensemble dans la Bible, dans la lettre aux Galates écrite par l'apôtre Paul. Et on va lire ensemble le passage de base de mon message. Ça se trouve dans Galates 2:20 qui dit « En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Alors que la Bible nous enseigne à mourir à nous-mêmes, notre société nous prend le contraire. Notre société nous dit « Pense à toi, écoute ton cœur, réalise-toi, atteins ton plein potentiel. » Ou encore mieux, maximise ton potentiel. Et même parfois, j'entends même dans l'église, peut-être pas à Montréal, là, mais à Sherbrooke, j'entends ça, des gens qui vont dire, « Ouais, mais Dieu veut que je sois heureux et authentique. » Et chacune de ces pensées-là teinte notre manière d'agir et teinte notre manière de prendre des décisions qui, selon moi, ne sont pas toujours alignées avec la volonté et les plans de Dieu pour notre vie et ses désirs. Et dernièrement, j'étais complètement estomaqué de voir et d'entendre des gens autour de moi dire ou faire des choses basées sur leur propre bonheur personnel, sur leur désir personnel et leur propre confort. Et je me mettais à entendre des phrases comme ceci. Je vais vous en donner des exemples. Premier exemple, ça m'arrive souvent de caler malade au travail quand ça ne me tente pas de me lever le matin. J'aime mieux m'écouter. Ou j'entends, j'ai quitté ma job durant un shift car j'étais tanné. Je me suis poussé et je ne suis jamais retourné. L'important, là, c'est que je sois épanoui. Ou encore, je ne suis pas venu à notre rendez-vous qu'on s'était fixé car je sentais que je devais plus dormir. Ou même encore, je regrette parfois d'avoir fait des enfants car souvent, c'est souvent plus à propos d'eux que de moi. J'aimerais être libre à nouveau. Ou un autre encore, je sens que je suis dans une saison où je dois rien faire. Je crois que Dieu m'appelle à ne pas le servir pour plus penser à moi. Bizarre. Ou encore, j'ai quitté ma femme parce qu'elle me rendait plus heureux. Et Dieu veut que je sois heureux. Donc, j'ai quitté ma femme.
Ou dernièrement, ça fait quelques semaines que je ne viens pas à l'église car je sens que Dieu m'appelle à me ressourcer. Ça sonne si bien, mais parfois, ça peut être si à côté de la traque. Alors que j'entendais des phrases comme ça jour après jour, je me suis arrêté, j'ai pris des temps à prier puis à chercher dans la Bible. Je me suis dit, coudon, est-ce que la Bible nous enseigne des choses comme ça? Et je me suis rendu compte que non. Et à force de faire des recherches, je me suis rendu compte et je suis arrivé à la même idée que le pasteur Rick Warren. Rick Warren a fait un message lors de l'inauguration officielle du président Barack Obama. Et voici ce qu'il a dit dans une partie de son speech. Il dit, « Les gens me demandent quel est le but de la vie. » Je réponds, « La vie est une préparation à l'éternité. » Dieu veut que nous pratiquions sur terre ce que nous ferons pour toujours dans l'éternité. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous n'aurez pas compris cela, la vie n'a aucun sens. Dieu s'intéresse davantage à votre caractère qu'à votre confort. Dieu est plus intéressé à rendre votre vie sainte qu'à rendre votre vie heureuse. Et en lisant ça, j'étais tellement « wow, c'est tellement vrai ». Mais en même temps, j'étais tellement « ouch, c'est tellement vrai ». Et c'est tellement vrai qu'on se laisse toujours, ou même pas toujours, mais presque la plupart du temps, dirigé par nos émotions. Puis c'est pas que nos émotions sont toutes mauvaises. En fait, toutes mauvaises, nos émotions ont été créées par Dieu. Dieu les a voulues. C'est seulement que nos émotions sont de très mauvais maîtres. Et je crois sincèrement à la chapelle que nos décisions devraient diriger nos émotions et non le contraire. Et voici ce qui arrive. Présentement, dans notre culture, dans notre société, il y a une pensée vraiment épeurante qui circule. Puis cette pensée-là, c'est que si tu as des sentiments, tu as des émotions, tu as des désirs qui se répètent et qui se répètent et qui reviennent continuellement et que toi, tu essaies tout le temps de les contrôler, de les éteindre ou même que tu tentes de combattre ces désirs-là qui sont en toi, bien à ce moment-là, tu n'es pas authentique avec toi-même. Et on s'encourage en se disant, « Ouais, mais Dieu désire beaucoup plus que je sois authentique, que je sois malheureux. » Et on se fait dire continuellement, « Ouais, mais les feelings sont là dans toi. Tes sentiments, tes émotions, tes désirs, écoute-les, laisse-les te diriger. Suis tes désirs, suis tes émotions. Faut que tu sois authentique. » Et sinon, on a la fameuse phrase qu'on aime bien, hein? « Suis ton cœur. Suis ton cœur. » Puis honnêtement, ça sonne tellement bien, ça sonne même tellement vrai, tellement le fun de dire, ben oui, je veux suivre mon cœur. Jusqu'à temps que tu prends un pas de recul puis que tu te mets à penser à notre système de société, notre gouvernement, notre système politique qui est en place présentement, qui a été bâti afin que chacune des personnes ne puisse pas faire chacune des choses qu'ils veulent faire quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent. Pense un peu, on a un système de police dans chacune de nos villes. Pourquoi? Parce que ça serait le chaos si on n'aurait pas ça, parce que tout le monde ferait qu'est-ce qu'il désire tout le temps. Et voici pourquoi le message de la Bible n'est pas populaire. Alors que la société nous dit « suis ton cœur », la Bible nous dit « questionne ton cœur ». Questionne ton cœur. Le prophète Jérémie nous a dit « rien n'est plus trompeur que le cœur humain ». Impossible de le guérir. Et qui peut le comprendre? Questionne ton cœur parce qu'il est trompeur. Qui peut connaître son cœur parfaitement? Personne. Personne. La seule personne qui peut connaître notre cœur, c'est Dieu parce que c'est lui qui l'a créé. C'est pourquoi le roi David a fait cette prière tellement profonde qu'on retrouve dans le psaume 139, versets 23 et 24, qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Une prière si riche qui nous prouve également qu'il ne faut pas se fier nécessairement aux désirs de notre cœur, à nos pensées, à nos émotions, à nos désirs, parce que souvent ces désirs-là peuvent nous guider dans de mauvaises voies. J'aimerais dire que parfois nos désirs semblent si spirituels, mais dans le fond, elles peuvent être si mauvaises. Je vous donne un exemple. Par exemple, on voit une histoire que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il va être torturé, en fait, qu'il va être comme genre capturé, torturé, mis à mort, et que trois jours plus tard, il va ressusciter. Et il mentionne ça à ses disciples. Et l'apôtre Pierre est là, et voici quelle est la réaction de Pierre à ce moment-là.
Ça nous dit dans Matthieu 16, verset 22. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Comme la plupart des autres disciples, Pierre croyait que Jésus était venu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mais Dieu avait un plan encore plus grand. Dieu ne voulait pas seulement établir un royaume social, un royaume politique, économique, militaire, mais un royaume éternel. Mais Pierre, ça, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il était seulement fâché parce que ce que Jésus était en train de leur dire, mais ça ne marchait pas avec ce que lui pensait que ça allait être. Et ce que Jésus a annoncé à ce moment-là renverse complètement Pierre. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la réaction de Jésus. Comment qu'il dit « Arrière de moi, Satan! » Il reprend d'une manière très brusque. Mais je crois sincèrement que Jésus est en train de dire à Pierre, et même à notre société d'aujourd'hui, tu n'es pas en train de focusser sur la perspective de Dieu, mais sur ta perspective humaine. Et ta perspective humaine est limitée. Et ça, c'est un très gros problème dans le fond, des racines de nos désirs, c'est qu'elles nous mentent. Nos désirs ne sont pas toujours focusés sur ce qui compte vraiment, ce que Dieu veut. Et Jésus nous donne la solution, assez souffrante, mais il donne la solution. Il dit, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Renonce à tes désirs. Renonce à ton confort. Renonce à ce que ton cœur te dit. Renonce à tes pulsions. Je te pose une question aujourd'hui. Depuis que tu as pris la décision de suivre Jésus, à quoi as-tu renoncé? À quoi as-tu tourné le dos? Voire même à qui as-tu renoncé depuis que tu as voulu suivre Jésus? Et là, je ne parle pas de à quoi tu as renoncé v'là 20 ans, v'là 8 ans, v'là 2 ans, mais à quoi tu as renoncé la semaine dernière? À quoi tu as renoncé hier, ce matin même? À quoi tu as renoncé? Car si tu ne vis pas ce genre de combat-là au quotidien, moi, je me poserais la question, est-ce que je suis véritablement en train de suivre Jésus? Est-ce que je suis véritablement en train de porter ma croix? Et je sais que c'est difficile d'entendre un matin. Je sais que ça peut choquer même quelques-uns qui écoutent ça aujourd'hui, mais trop souvent, on veut d'un Dieu qui va changer nos circonstances, mais on ne veut pas d'un Dieu qui va changer mon cœur, mes désirs. Car Dieu sait très bien où est-ce que se trouve le vrai bonheur, la vraie joie. Et ça ne se trouve pas dans nos circonstances qui changent, mais ça se trouve plutôt dans un cœur transformé par Jésus. Et je crois que le succès de la vie se trouvera dans le succès de notre mort. Et pour les dernières minutes qui nous restent, je veux que l'on explore trois endroits où l'apôtre Paul nous enseigne l'art de mourir. L'art de mourir à soi-même. L'art de mourir avec plus de Jésus et moins de moi. Le premier endroit où Paul enseigne l'art de mourir, c'est dans Galates 2:20 qu'on a lu tantôt, qui dit « En effet, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et c'est vraiment clair à ce moment-là qu'on doit, en tant que croyant, apprendre à crucifier notre vie. Et ce processus-là commence exactement au moment où chacun d'entre nous, peut-être qu'on est capable de fixer un moment qui est, tu sais, cette fois-là où qu'on a prié pour la première fois, « Seigneur, je te donne ma vie. Dieu, je te donne ma vie. Dieu, pardonne mes péchés. » Mais après ça, ça doit se continuer jour après jour en s'humiliant devant Dieu. À chaque matin que tu te lèves, que tu sois en mesure de remercier Dieu pour cette belle journée. Et après ça, de dire constamment, « Dieu, mon corps, mon temps, mon énergie, mon argent, en fait, tout ce que j'ai, je te le donne encore aujourd'hui. » Parce que c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et qu'on doit être en mesure de déclarer comme vraiment le prophète Jean-Baptiste le dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et d'être capable de revenir à la fin de ta journée, de te coucher sur ton lit après que tu es brûlé de ta grande journée et te dire, « Est-ce qu'aujourd'hui, Christ a grandi en moi? Et est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai diminué? » Et alors que tu écoutes ce message-là aujourd'hui, puis peut-être que tu te considères même croyant, chrétien depuis un certain temps, puis tu te dis, « Pour vrai, j'apprécie pas ma vie présentement. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'être épanoui dans ma vie spirituelle. Honnêtement, je me considère même pas comme heureux ou heureuse en ce moment. » J'aimerais te dire,
Je suis convaincu que la vraie vie abondante, le vrai bonheur, la vraie joie se trouve en Jésus. Et si tu n'expérimentes pas ça présentement chaque jour, je crois qu'on doit adresser le problème véritablement à sa racine, à sa source. C'est qu'il y a trop de toi et pas assez de Jésus. Ce n'est plus moi qui dois vivre, mais Christ qui vit en moi. Donc, premièrement, plus de Jésus et moins de moi. Ça, c'est l'art de mourir. Le deuxième enseignement de Paul sur l'art de mourir se trouve dans Galates 5, 24, qui nous dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Donc, comment, c'est quoi l'art de mourir? Deuxièmement, mettre à mort ma nature propre. Nous devons crucifier notre nature propre, nos désirs, nos feelings humains qui ne viennent vraiment pas de Dieu. Et honnêtement, cette sorte de mort-là, cette crucifixion-là de notre vie, selon moi, c'est la plus douloureuse. C'est la plus douloureuse car notre nature propre, comme Paul l'appelle, est littéralement liée à notre confort, nos désirs personnels, le « je »,« me », »,« moi », le « égocentré ». On va être honnête aujourd'hui. On le sait tous, on a tous des passions, des désirs qui ne sont pas alignés avec le cœur de Dieu. Et trop souvent, on peut se donner des excuses, même à ces passions-là, à ces désirs-là, puis dire « Ouais, mais Dieu me crée de même, hein? Ouais, mais Jasmin, pour vrai, là, honnêtement, là, tu sais, j'ai essayé de changer ça, puis c'est plus fort que moi, c'est vraiment en dedans de moi, je peux rien y faire. » Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui. Si moi, présentement, et dans les derniers mois, dans les dernières années, je suivais constamment mes feelings, que j'écouterais continuellement ma chair, honnêtement, la chapelle, aujourd'hui, je ne serais plus pasteur. Aujourd'hui, je ne serais plus pasteur. Pourquoi? Parce que tout comme vous, à chaque jour, j'ai des désirs et des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais à chaque jour, je dois me battre. À chaque jour, je dois mourir à moi-même. Puis dernièrement, il a fallu même que je réajuste des choses que j'écoutais et que je regardais. En fait, moi, je suis passionné d'humour. Je suis passionné vraiment de toute la culture humoristique au Québec. J'aime écouter des podcasts avec des humoristes. Je me considère même comme un geek d'humour. Et alors que je suis en voiture, alors que je fais ma vaisselle, que je fais à manger, j'aime vraiment ça mettre des podcasts. Et là, j'écoute ça et ça me distrait. Mais dernièrement, je me surprenais souvent à être avec mes amis ou quoi que ce soit, puis à toujours pousser les blagues un peu trop loin. Toujours pousser les blagues un peu trop salées, un peu trop crunchy. Tu sais, les blagues où est-ce que même mes amis, un coup que j'avais fait ma blague, j'étais comme, moi, je vais pousser. Eux autres font une blague, moi, je vais la pousser encore plus loin, puis je voulais rechercher le rire. Je voulais rechercher comme, aïe, aïe, t'es allé intense, là. Et parfois, même mes amis étaient là, t'as boire Jasmin, hein? T'es allé la coche au-dessus, la coche de trop, t'es allé, là, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, je portais pas trop attention à ça. Mais à un moment donné, j'ai pris un pas de recul, puis j'ai fait, voyons. Ça marche pas. Je veux pas parler comme ça. Je veux pas avoir des pensées où est-ce que je veux toujours pousser, ou même tu sais, que ce soit des jokes sexuels ou des choses comme ça. Je veux pas aller là. Mon vrai désir, c'est de plaire à Dieu. Je veux avoir un langage, même des paroles qui honorent Dieu. Et mon désir de plaire à Dieu doit être beaucoup plus grand que de plaire à mes amis avec des blagues. Et j'ai fait le choix d'arrêter. J'ai coupé ces podcasts-là. Que je le savais qui m'influençaient. J'ai limité vraiment le nombre de temps que j'allouais à ces podcasts-là parce que ça m'influençait. Parce que j'ai décidé d'agir en fonction de mes choix et non en fonction de mes désirs. Je trouve ça plat, je trouve ça dur alors que je vais faire à manger. J'ai goût de mettre ces podcasts-là, mais je fais comme non, parce que je le sais que ça vient me nourrir à l'intérieur, quelque chose que je ne veux pas. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mis à mort dernièrement pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu as mis à mort dernièrement? Donc, premièrement, plus de Jésus, moins de moi. Deuxièmement, mettre à mort ma nature propre. Et troisièmement, le troisième enseignement que Paul nous enseigne sur l'art de mourir. On retourne à Galates 2:20. Et là, je veux miser sur la deuxième partie qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Troisièmement, fixons notre regard sur Jésus. Sais-tu quoi? Peut-être que tu m'écoutes un matin et tu dis, « Ouais, mais pasteur Jasmin, je t'écoute là, puis ça fait du sens, puis je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas capable.
Je suis pas capable. C'est trop difficile. J'ai déjà essayé plein de fois de mettre à mort mes désirs, mais je suis pas capable. J'y arrive pas. Sais-tu quoi? Je le sais. Je le sais. Mais savais-tu que Dieu le sait également, que tu n'es pas capable? Car mourir à soi-même, c'est de combattre et de pleinement vaincre le péché en toi. Et la seule personne qui a maîtrisé pleinement l'art de mourir, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est pour ça que Paul dit, « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi en Jésus, qui par amour, il s'est livré pour moi à la mort, à ma place. » La mort que tu recherches, l'art de mourir, Jésus l'a fait. L'art de mourir se trouve pleinement en Jésus. Tu veux réussir à vaincre le péché en toi, vis dans la foi en Jésus. Tu veux vaincre les mauvais désirs en toi, vis dans la foi en Jésus. Tu veux vaincre tes pulsions, vis dans la foi en Jésus. Tu veux vaincre tes dépendances, vis dans la foi en Jésus. Parce que sans la foi, c'est voué à l'échec. L'échec total. Puis c'est pour ça que sur Amazon, il y a plus de 60 000 livres qui veulent m'expliquer les clés du bonheur, de la joie, sur l'art de vivre. Pourquoi quand on a 60 000 exemplaires? C'est parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on a essayé de changer la sagesse de Dieu contre la sagesse humaine qui ne fonctionne pas. Parce que sans Jésus, ça ne fonctionne pas. Le seul livre qui parle de la vraie solution, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous pointe à Jésus, qui est mort à ta place, qui est mort pour toi, qui a livré pleinement bataille au péché, afin que nous soyons complètement libres, qu'on soit capable d'être libre. Donc, le bonheur que tu recherches, la joie que tu recherches, la paix que tu recherches, le calme que tu recherches se trouve en Jésus, dans la foi en Jésus. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin, et il t'écoute ce message-là, puis que tu n'as jamais mis ta foi en Jésus. Alors que je parlais, peut-être que tu as senti en dedans toi, tu as fait, « Hey, on dirait que ça me parle. Je comprends, Pasteur Jasmin, ce que tu veux dire. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je le sens, là. Je sais que j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé de lire plein de livres. J'ai essayé de regarder à plein de sortes de philosophies ou de religions, puis on dirait qu'il n'y a rien que marché. Et alors que je parle, tu as ce désir-là en dedans toi de dire, « Ben pour vrai, je veux voir ce que Jésus a à m'offrir. Je crois vraiment qu'il est mort pour mes péchés. Je crois vraiment que la vraie liberté, la vraie joie se trouve en lui parce que c'est mon Créateur. Et l'épanouissement que tu recherches est en Jésus. Puis on dirait que tu as une conviction qui s'en vient présentement. Je veux juste t'encourager de prier à Dieu. De prier. Et en fait, de prier, c'est simple. C'est juste de parler à Dieu. De juste lui dire, « Hey, Dieu, je veux te suivre. » Je veux mettre ma foi en toi. Je veux croire que tu es réellement mort pour mes péchés puis que l'art de vivre se trouve pleinement en toi parce que toi, tu as vraiment et tu sais vraiment c'est quoi l'art de mourir. Dieu, aide-moi. Dieu, conduis-moi vers toi. Change mon cœur, sonde mon cœur et aligne-moi sur la voie de l'éternité. Et tu peux prier cette prière-là aujourd'hui que je t'encourage à faire. Prie-la dans tes mots. Prie-la comme tu le veux. Et je veux t'encourager que si tu veux également cheminer dans cette foi-là en Jésus, je veux t'encourager à écrire à bienvenue@commerciallachapelle.me et il y a une équipe qui va être là, qui va être super heureux et content de pouvoir t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Mais avant de clore et avant qu'on aille en louange, je veux terminer et je veux prier pour nous, nous les croyants, nous les chrétiens que ça fait un bout. Et que ce combat-là de la chair et de suivre Dieu, on la vit, puis c'est difficile. Et que dernièrement, tu le sais. Alors que je parlais, l'esprit venait te convaincre que tu fais comme c'est vrai. Dernièrement, j'ai laissé des désirs prendre le dessus. Dernièrement, j'ai laissé des pulsions prendre le dessus. Dernièrement, j'ai laissé mes désirs et mon confort prendre le dessus de ce que Dieu voulait vraiment que je fasse comme sacrifice pour lui. Et peut-être même que tu te dis, j'ai pas de la misère à croire que Dieu existe. Mais j'ai plus de la misère à croire que ce que Dieu me dit, c'est la vérité, que c'est bon et c'est vrai. Et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour nous aujourd'hui pour que, encore aujourd'hui, on puisse prendre la décision de sacrifier notre chair, de faire crucifier notre chair et de dire « Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Et qu'on ne soit pas guidé par nos émotions, mais que ce matin, aujourd'hui, en fait, on puisse prendre une décision
de pleinement suivre Jésus, d'apprendre à mourir pour pleinement vivre. Prions ensemble. Ouais, Dieu, Dieu, on a besoin de toi. Dieu, on a besoin de toi parce que par nous-mêmes, ça ne marche pas. Dieu, je sais que tu ne nous as créés pas pour qu'on vit dans du malheur, mais tu veux ce confort-là, tu veux ce bonheur-là, tu veux qu'on soit heureux, et ça, je le sais. Mais pas au détriment de toi, pas au détriment de ta volonté, pas au détriment de ton cœur, pas au détriment vraiment de tes commandements, tes désirs et ce que tu nous enseignes dans ta parole. Et Dieu, aide-nous, aide-moi ce matin à croire davantage à ta parole. Croire que ce que tu me dis, c'est la meilleure chose. Croire que c'est la meilleure chose pour ma vie de suivre tes plans et de mettre à mort mes désirs. Dieu, dirige-moi, dirige-nous ce matin à réellement comprendre l'art de mourir pour vraiment pleinement vivre en toi. Donc Dieu, transforme-nous, convainc-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on veut prendre la décision d'encore de mettre à mort certaines choses de nos vies pour pleinement te plaire et de trouver la vraie vie en toi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, on s'en va à louange et on se revoit à la prochaine.
te connaître plus. Étoile qui brille, dis-moi.
mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. C'est tellement vrai qu'on veut souvent un Dieu qui va changer nos circonstances plutôt qu'un Dieu qui va changer nos cœurs et nos désirs. Merci à Jasmin Pierre de nous avoir enseigné l'art de mourir à nous-mêmes. Mais pour continuer à faire plus de place aux désirs, aux pensées et aux plans que Dieu a pour nous, on a besoin d'une communauté autour de nous. À la chapelle, il y a plusieurs façons de vivre notre foi avec d'autres. Il y a bien sûr nos réunions en personne tous les dimanches au théâtre Fairmont où on peut échanger ensemble. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent en semaine pour discuter de la parole et prier les uns pour les autres. Et si tu veux te joindre à l'un de ces groupes, visite notre site web, on va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. Finalement, tu peux participer au After sur Zoom tout de suite après cette réunion. Tu trouveras les liens pour t'y connecter sur notre site web et aujourd'hui, on y prend la communion ensemble. Merci pour ta générosité, semaine après semaine, qui nous aide à célébrer l'Église en ligne et en personne et surtout à faire une différence autour de nous, comme à Haïti. La semaine passée, Pasteur David nous a invités à aider la chapelle à envoyer 10 000 $ à 2 organismes que nous connaissons là-bas. Voici à quoi serviront les dons. À Cap-Haïtien, les dons seront alloués à aider des jeunes filles à pouvoir aller à l'école. À Port-au-Prince, ils aideront un hôpital local à se procurer du matériel essentiel pour lutter contre la COVID-19. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou de notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait un monde de différence. Il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on poursuit notre road trip avec notre Jean-René National. Réserve dès maintenant si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmont. Mais tout de suite, on se rejoint dans un after pour la communion. Merci et bonne semaine!